Ici, nous sommes à Carrefour Marin, banlieue de la plaine du cul-de-sac, sur la route nationale numéro 1 à la commune de la Croix-des-Bouquets. Ces ampoules que vous voyez ne sont pas installées par l'État ou une quelconque autorité locale, mais plutôt une initiative personnelle d'un citoyen de la commune du nom de Willio Saint-Preux. Et à la tombée de la nuit, nous avons ce décor. Pour ceux qui connaissent la zone, Marin était, dès le crépuscule, envahi complètement par la noirceur. Les ampoules sont donc installées pour éclairer les petits commerçants, les conducteurs de taxi-moto, les passants qui fréquentent la zone. Elles permettent également une meilleure visibilité aux automobilistes et évitent des accidents de la circulation au cours de la nuit. Une initiative saluée avec enthousiasme par les habitants de cette localité. Et nous comme chida là Carrefour Marin, la fait noir net net net, machine qu'on monte sur nous, ça veut dire par rapport des éclairages des bons machines à venir toujours ralenti parce que lui ouais bon activité qui fait Carrefour Marin. J'en bats la terre parce que comme ça nous t'en en fait noir, qu'on est là nous j'ai un bel éclairage. Non en forme. Un éclairage là bon, li bon pour tout le monde. Parce que par contre pour ça qu'on revenir, mais pour moi même les utilement rapide moi même. Ils estiment qu'avec l'éclairage à Marin, il y aura moins d'insécurité. Et les marchands peuvent paisiblement écouler leurs produits très tard dans la nuit sans se faire dérober par des bandits. Un gros travail monsieur fait là parce que éclairer ça. Parce que parfois on nèg kon camper là dans nuit, il a fouillé 4h du matin, 5h du matin. Et depuis dit marchand là tout ça sur mais éclairer ça dit si regarder qui gens. Et marchand nous dit son grand travail le Saint pour faire et m'a dit merci. Et marchand nous a dit merci toi gros travail. Oui, nous était dehors plus parce que n'a pas rentré 10-11h. Pour Grégory Lensé, ce responsable du syndicat des chauffeurs du transport public à Marin, cette initiative est un bon exemple qu'on peut étendre à toute la commune de la Croix-des-Bouquets, comme a fait Wilson jeudi à Delma. Tout le monde, ça a fait là une belle propreté, une belle initiative. On nous garde pour nous jeunes, un deuxième Wilson jeudi dans la plaine. Il y a un leader, il y a un magistrat qui monte, il n'y a pas fait rien. Il prend fatra pour politique. Marcher fatra sous fatra. Fatra monte mes hauteurs. On nous goûte avec citoyens qui ont rêve pour commune. Et tout comme Grégory, les conducteurs de taxi-moto et les commerçants décident d'apporter leur soutien à Willio Saint-Preux qui se présentera aux élections municipales de la Croix-des-Bouquets en 2019. Son aigle, élection pour le faire pour nous mettre ensemble, pour nous essayer de faire MC comme on leader pour nous, pour venir travailler pour nous dans la peine. MC tout, moi son aigle tout qui a une vision. Parce que par contre, aigle tout, il a bloqué la première fois tout qui fait social comme ça. Parce que moi j'ai depuis 21 ans qui n'ai pas de courant. Les bails de l'eau, les bails de tout le bagage, ils font pas quatre bagages dans la zone. Je connais, je dis, monsieur, posez le candidat. Vous magistrat, moi, je vais vous donner un vote. Parce que je suis bien content de la mission faire. Il n'est pas capable de magistrat, ou pas en 2019, il n'est pas capable de magistrat. Willio Saint-Preux, qui est entrepreneur, directeur adjoint de l'école d'infotronique d'Haïti et détient une maîtrise en base de données à l'université de Nice, certifié par Microsoft, n'est pas à sa première œuvre sociale dans la commune. Avec ses propres revenus, dit-il, il a déjà réalisé des projets d'éclairage comme celui-ci aux Orangers, à Lille-la-Voix, à Lison et à Latin, son quartier résidentiel. Plus de 500 ampoules au total sont déjà installées dans ces localités, dont 47 à Marin. Répondant aux questions des journalistes aux Orangers en juillet dernier, M. Saint-Preux a déclaré qu'il souhaite améliorer les conditions de vie des habitants de sa commune en partageant un peu de son bien-être avec les autres. Alors, ce qui a attiré l'attention de la ville d'Oranger, c'est le fait que moi, pas un grain poteau, pas un grain lumière en dedans même. Je dis pas un poteau lumière EDH comme si et inexistant. Et c'est pas comme ça, ça t'a donné. Et me trouver son injustice lié comme si, ou pas dans un pays comme si pour une zone qui est délaissée comme ça. Ça, c'est injuste. C'est pas parce que nous avons l'argent qui veut en faire ça. Non. On a l'argent, c'est une question de partage, c'est une question de. Et fait mon nom la vie dans l'autre sens. Le numéro 1 du parti politique Innovation ainsi que ses partisans se voient déjà remporter les élections municipales de la Croix-des-Bouquets en 2019.